Ah ben bravo, bravo. Moi, pendant que j'étais en train de masser mon épouse qui se fait un lumbago en voulant tester les urétrotoires à Toulouse, qu'est-ce que j'apprends? Cette semaine, vous avez été nombreux à m'envoyer cette info. Mais non, ah non, 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 non. Non, moi c'est fini. Terminé, j'arrête de charrier l'Ariège. Fini, non, non. Bon bah, une dernière fois. Oui bah, c'est pas vous qui vous faites bloquer à l'entrée du tunnel de Foix. Je suis père de famille, moi. Ouais, mais si on bloque, comment je vais faire moi pour acheter des clopes et du Ricard à mon gosse? Dernière fois, hein. Bon, ça ressemble à ça le Monopoly Ariège. C'est moi ou les proportions elles sont pas bonnes? Non, faut quand même une grande table, non? Au début, je croyais qu'il y avait qu'une grande case prison. Mais non, non. Non, il y a 40 cases. Par exemple, les Champs-Elysées, dans le jeu, c'est Axe les Thermes. Par contre, tu peux la chercher longtemps à la boutique Dior. Hein. Quoi qu'il y ait un certain parfum qui s'échappe du bassin des Ladres. Il y a aussi une carte parc gratuit. Qu'est-ce que j'apprends? Ils ont des voitures. Les billets de banque sont en euros. Qu'est-ce que j'apprends? Ils sont passés à l'euro. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a des cartes coquines. T'as une case sexe. J'ai cherché la case Saint-Jean-de-Verge, j'ai pas trouvé. Alors, je tire une carte chance. Bravo, vous êtes muté à Toulouse. C'est 45 euros. Tu mets 2 euros de plus, t'achètes la ville de Lavelanet. Après, ils sont très forts en répartie, les Ariégeois. J'avais croisé un mec qui avait des champignons. Je lui ai demandé, vous avez trouvé où? Il m'a répondu par terre. Ah bah c'est parfait ce Monopoly pour les longues soirées d'hiver. Et là-bas, les longues soirées d'hiver, elles durent de fin janvier à début décembre. Voilà, c'est la dernière fois que je charriais les Ariégeois, hein, promis. Je le jure, bon, sur la tête d'un Bordelais. Mais c'est canon l'Ariège. Allez goûter la viande de la maison La Cube. Découvrez les dessins de cire. Ou écouter les contes d'Olivier de Robert. Allez faire des randos, du canoë. Allez même y travailler. Bon, faut pas avoir besoin d'internet.